Très bien, donc vous êtes arrivé au fil de votre course à un endroit où le tunnel se sépare en deux branches et vous ne distinguez rien hop, au bout de ces deux tunnels. Bah, faudrait qu'on se sépare, hein. C'est Spiritus qui commence, que fais-tu, Spiritus? Là je distingue de rien, t'es sûr? On va quand même aller voir au cas où. Tu t'avances mais un là, peu? c'est en tournant alors. Oui, mais. Vous allez voir, tu distingues de rien. Donc tu t'avances un peu et tu commences à entendre des bruits de pattes. Oh putain. Hop, voilà. Apparemment, il y a quelques créatures ici, mais elles ne t'ont pas remarqué. Tu entends des tas de petits bruits humides, des petits cris caractéristiques de ces insectes, mais aussi des cris un petit peu plus aigus, un petit peu plus faibles. Peut-être des cris de jeunes. Ouais, sans doute des. Je vais suivre peut-être. Diriger vers les jeunes. Et ah non, parce que moi j'essaie de reculer. Je vais avec Spiritus, le garde qui est ici. Viens avec nous. Vous trois, vous allez par là-bas et on se rejoint en gros, là ici. Les deux mages. Tu envoies le prêtre qui peut pas combattre et le mage qui est dans la merde s'il décide de s'affronter quelque chose dans les galeries. Avec un seul garde tout seul dans leur coin et les deux bourrins qui peuvent se défendre, tu les envoies. On leur envoie les deux gardes. Donc les deux gardes arrivent. Ok, vas-y, on y va tous les deux et vous allez tous les quatre. On va tous les deux là, nous, et vous êtes tous les deux là. Donc les gardes vous interpellent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez qu'on se sépare? Tout à fait, vous deux. Oui, c'est ce qu'ils veulent. Vous deux, vous allez avec Volker et Okino par là-bas voir ce qu'il y a et Frost et moi, on va par là. Ok, mais faites gaffe. Si jamais vous voyez la reine ou une troupe de ces monstres, on se rejoint ici. Aussi, je pourrais vous donner ma torche. Ah bah oui. Pour que vous y voyez quelque chose. Ouais, à moi. Donnez-la à Frost. Très bien. Bah non, moi j'ai deux, j'ai les mains prises. Donc toi peut-être plus parce que moi j'ai les mains prises. Un loup-garou avec une torche. Ah, moi je vais la broyer, tu vois. Ok, j'en mets dans ma poche et je la prends du coup. Je mets pas une lampe dans ma poche. Non, je mets un poignard dans ma poche et je prends la. Hashtag j'ai une Porsche sur un jeu de rôle. Même. Cool. Ok. Donc, Okino, donc avec ton groupe, vous continuez à avancer dans le tunnel de droite. Ouais. Allez, je reste en arrière. Hein. Je laisse passer tout le monde devant moi. Tu sais que tu peux prendre une potion au pire. Oui. Ah oui, j'en ai encore. J'ai pas volé de potion. Tu les as pas toutes pillées? Non, j'en ai pas pillé une seule en fait, parce que je savais que t'allais me défoncer après. Si je remarque. Voilà, j'en prends. Voilà, et donc, vous commencez à avancer, et puis à voir au passage. Où mène ce tunnel. Je me suis pas mis, je sais plus ce que j'ai volé du coup. Les bouquins, on les a laissés là-haut. Le garde qui est donc en tête de la procession, soudain, met un bras derrière lui et vous chuchote. Chut, ne bougez pas, il y en a un là. Il bloque une galerie. Ah bah c'est fait. Bah je crois que j'ai fait carquois et boîte de biscuits. Donc les mecs sont en train de parler loot. C'est cool. Oui, du coup, oui. Bah c'est pas, on s'en fout. T'as pris carquois, boîte de biscuits et flèches. C'est tout? Ouais. Ouais. Ok. Et du coup, je prends une potion au passage, Fanax. Très bien. Une potion. Il me semble que c'est toujours Valiel qui a les valeurs de potion. Bah, il me semble que j'en ai aussi des valeurs potions. Bah, d'abord, je vais donner une potion. Est-ce que j'ai une potion, moi? Parce que je me pense quand j'en ai. Deux potions de valeur. Ah ouais, mais j'ai pas de potion de soin. Je peux demander de balancer une pour Spirit. Il en a plein, hein. Mais tu sais pas que j'en ai, tu sais pas vraiment. Je t'ai fouillé quand même. Hein. Donc tu prends une potion, hop, tu regagnes 5 points d'énergie. Tu te sens légèrement requinqué. Tu peux me balancer une potion énergisante de Lilius, s'il te plaît? Autant l'énergie, je n'utilise pas beaucoup. Mais non, mais ça donne 30 D et 5 PE. Donc c'est bon. 30D, c'est le prix en fait, mais voilà. Ah, oui. Non. Bah je sais pas c'est lequel du coup pour ça, pour rendre l'énergie. Du coup, là, ce que tu me donnais, c'est juste des points d'énergie, mais je dis jamais moi. Ah oui, potion de soin, bon, c'est pas grave, au pire, il y en a qu'une. Potion de soin de vie, ça sert à rien. Bah, de soin quand même, un petit peu, mais. Donc, vous deux, vous continuez à avancer. Que moi.
On avance. Vous avancez. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'être discret? Vous essayez de... Non. Essayez d'être discret quand même. Discret pour un loup-garou? Non, je prends mon arc. Parce que j'ai un arc maintenant. Très bien. Tu comprends ce que je veux dire, Okino? Dès que je tente d'un truc à peu près réfléchi, on me dit bah non, toi tu peux pas faire ça. Mais tu veux pas être discret là? Tu veux pas être discret? C'est à... Frosty, c'est à Spirit d'agir en premier, il a l'initiative. Ok, bah vas-y, fais un truc. Vas-y, crame-nous. J'essaie d'être discret. T'es sérieux? Si tu veux vraiment essayer d'être discret, tu vas me faire un test d'adresse. Regarde là, mec. On est là. Allez, test d'adresse. T'es sérieux? Bah vas-y, moi je me casse. Allez, salut. Hein. Je crois qu'il l'a pas réussi. Allez. Donc, tu t'avances lentement dans la galerie en essayant de ne pas éveiller l'attention des créatures, mais quand tu arrives près d'eux. Tu poses deux pieds sur un crâne, visiblement, un crâne de créature inconnue, qui craque sous ton poids. Et donc, immédiatement, tu vois les deux créatures dont les antennes se tournent vers toi, et qui, un petit peu effrayées, hop, font immédiatement demi-tour et vont se cacher dans la pénombre. T'es content maintenant? Je les poursuis. Très bien, donc là, tu les poursuis, et tu t'engages... Effectivement, dans une petite cavité. Moi, je vais par là. Hein. Si tu veux. Oh, ils se séparent encore, ils sont. Je sais qu'il y a rien là, mais si ça se trouve, il y a quelque chose. Et tu pénètres à cet instant dans une salle remplie de créatures. Voilà, j'en étais sûr. Effectivement, aurait pu le laisser croire, donc les cris que tu avais entendus, tu es entré dans la nurserie, visiblement de la colonie, où tu vois des petits vagabondés, des œufs posés sur le sol, et un grand nombre d'adultes qui semblent s'en occuper. Je vais m'en occuper. Mais du coup, tu peux voir. Donc immédiatement, tu remarques d'ailleurs que ces Kanchila ne sont pas comme ceux que tu avais pu repérer tout à l'heure, mais ont des mandibules plus courtes. Donc visiblement, ce ne sont pas vraiment des guerriers. Et effectivement, tous les individus commencent à reculer. Et pour certains d'eux, ils emportent des œufs dans leurs mandibules, comme pour les protéger. T'as vraiment mis la carapace plus moins épaisse et tout, t'as vraiment... Non. Non. Ah si, alors celui-là. Et celui-là, c'est pas pareil, je crois. Mais là, ils sont juste plus petits. Et voilà, c'est tout. Ils sont juste plus petits. Oui. Sinon, c'est des copier-coller. Je vais RP. Très bien, donc tu... Donc, effectivement, donc Spiritus, tu entres, et qu'est-ce que tu fais? J'hésite entre tout bourriner à fond ou juste utiliser un cri de loup. le mec qui passe de discret à hurler dans le tunnel. T'es cramé, mec, en un tour. Regardez, je suis ici, venez m'attaquer, ouais. D'un autre côté, on va voir d'où ils viennent tous, et s'ils viennent tous du même endroit, on sait que la reine est de ce côté. Pas faux. Ouais, mais imagine tout arrive par là, bah moi je fais... Et plus on va s'approcher de la reine... Plus il y en aura. Et donc, là, faudra que je cours vers vous. Ouais. Bah, ils viendront plus vers moi et tout. Donc, Spiritus, que fais-tu? Ouais, je tente le rugissement. Très bien. Tu sais, il s'étouffe. Échec critique, il s'étouffe. De toute façon, ça réussit jamais, ce truc. C'est la compétence la plus inutile jamais inventée. J'ai bloqué l'avant, donc tu la fermes. Ouais, ça va. Alors... Oh, c'est bon, t'es nul, hein. Calme-toi. Un test d'intelligence. Is coming. Pour qui? Bah, fais-moi ton test. Il l'a fait. 79. Oui, je l'ai fait. Ah, je pensais que tu l'avais pas encore raté, moi. Pourquoi t'en as fait un deuxième, alors? Parce que l'as demandé. Parce que je viens de me le dire, j'avais compris que tu me demandais le test. Ok, donc très bien, mais tu as quand même failé. Donc tu as failé ton test de charisme, c'est ça? Et donc, ouais. Tu hurles pour tenter de les intimider. Et manifestement, donc, elles ne déguerpissent pas, mais tout de même, elles se regroupent au fond de la caverne. En mode frémissante. Mettez-moi feu avec un cocktail Molotov. Ouais, limite. Pendant ce temps-là, donc... T'as pas ça, Frosty. Donc Frost, pendant ce temps-là, tu commences... explorer tout simplement les environs. Hop, et tu ne repères rien de... Waouh, c'est joli ça. Bah, ah, ninja, caché. Tu ne repères rien de très particulier. Jamais tu n'aurais pas été là, parce que si c'était vraiment le cas, il aurait pu tenter de faire une illusion par là, comme ça, de feu. Ouais, non, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Non. Voilà. Tu explores le petit tunnel,
Effectivement, tout ce que tu peux voir, eh ben, c'est des débris. Voilà, donc là je m'arrête là parce que je sais qu'il n'y aura rien. Ouais. Et je retourne vers Spirit pour voir ma fille. Et tu sais, et là on apprend que c'était de là où tu reviens qu'il y avait donc, la reine. Pendant ce temps-là, le garde vient de vous arrêter, Okino et Volker, en voyant un Kanshi au bout du tunnel. Okino, qu'est-ce que tu fais? J'ai une dague ou des trucs comme ça. Ah oui, j'ai pas chouravé les vieux poignards. Oui, il me semble que oui, t'as ton poignard de secours. Ouais. Oh, c'est beau ça. Ouais, bah, je tente de m'approcher discrètement. Ah, bien, donc tu te faufiles entre les gardes. Je laisse mon feu follet à côté des gardes, quoi. Ok. En gros, je longe le mur, la dague en main au cas où, mais je longe le mur en bas. Je m'approche pas du Kanshi, en fait. Ok. Et tu vas plutôt par là, du coup? Ouais, je continue par là. Très bien. Oui. Fais-moi un test d'adresse. Tout le monde va se faire griller, c'est cool. 65. Fail. Laisse-moi te dire que c'est fail. C'est fail. Tu n'as que 40 d'adresse, malheureusement. Très bien, donc tu commences à essayer de te faufiler dans le tunnel, mais... Le Kanshi qui est à l'entrée immédiatement te repère et commence à avancer dans ta direction. C'est une D'ailleurs, je le regarde. Oui, tu le regardes. Tu le regardes. Wow. Pour l'idée, là, je regarde et j'ai la dague en main, donc je suis pour moi. Et mon feu follet, il avance un peu, même s'il reste avec les gars. Et il y a un Kanshi derrière. Oui, c'est un mort. Ah. Il est mort. Il est mort. C'est moi qui l'ai fait. Et donc, à cet instant, voyant que le Kanshi s'avance vers eux, le garde murmure « Oh merde !» Et donc, avec son collègue, il s'élance. Et Volker, lui, suit le mouvement. Oup. Et donc, à cet instant, Okino et les autres, Volker, vous entendez... les deux personnes qui comptent sur les PNJ. Okino et les autres, vous entendez de grands bruits de ce côté-là, des bruits de pattes, et puis... du côté de ce tunnel, vous entendez des bruits de pattes indiquant qu'il y en a d'autres qui viennent, et puis surtout un rugissement de Kanshi, mais très puissant. La reine est par là. Sauf qu'il y a deux côtés, du coup, nous on peut faire ça, on va arriver par là. Pendant ce temps-là, Spiritus. Je dirais que. J'ai une idée. En gros, celles-là, elles vont pas se défendre, elles vont fuir. Donc si tu t'approches d'elles, si tu touches pas aux œufs, elles vont rien te faire. Va te chourave l'action, mais que tu m'aides à faire un truc avec ton action. Mm-hmm. Alors, j'aimerais faire, c'est que... Tu... Alors, redis, parce que mon casque a bugué. Alors, en fait, j'aimerais ranger ma deuxième dague, te prêter ma... Salut à tous, Scopat, il s'agit de... Le flambeau, là. Bref, voilà, la torche. Je prends mon arc et j'enflamme la flèche. Ah oui, effectivement. S'il y a un incendie qui se propage, on est tous foutus, asphyxiés. Les gars, ils commencent à tirer sur des nourrices. C'est cool. Elle ne vous aurait rien fait si vous passez à côté sans rien toucher. Ouais, attends. Ah, c'est des nourrices. Ah, j'avais pas compris, désolé. Bah, elles étaient en train de protéger les œufs. D'accord, même si pas de token 2. Dans ce cas, je dis non, tout au pire, on essaie de passer juste sur le côté qui est là. S'il y en a une qui nous saute à la gueule. Quoi, c'est... Mais en restant sur la défensive quand même. Ils ont tué Epona. Donc tu vas tenter de longer par là. Qui prouve que c'est elle. Donc sur ton passage, les nourrices s'écartent le plus vite possible en ramenant le plus de possible avec elles. Et donc tu passes en essayant de faire attention à n'écraser aucun œuf. Effectivement. Ça fonctionne. Fais gaffe, hein. Personne ne t'attaque. Hein. Tu lances un C4, boum. Hop, et donc, tu débouches dans une nouvelle galerie. Je fais une mine de proximité. Vous voyez, ça marche. Il suffit de connaître les fourmis. Hein. Ouais, moi, je les connais pas, j'en connais que celui-là. Donc, Frost, tu continues à suivre. Je les regarde, et c'est bon, là, faut continuer. Et merde. Bon, je le pousse. Et donc, pendant ce temps-là, on va mettre de la vraie musique. Spirit qui galère à passer, c'est ça ? Et je comprends bien. Mais il aurait dû faire un régime. Ah, attendez deux secondes, du coup.
Je passe par au-dessus, c'est allez, salut. Donc pendant ce temps-là, la deuxième équipe dans l'autre tunnel, eh bien fonce vers le Kanchi qui était en train de garder l'issue. Bon bah moi d'ailleurs c'est à moi d'agir du coup. C'est un des gardes qui va agir d'abord. Voilà. D'abord un garde. Non. Quoi? Les gardes nuls. Bah heureusement que vous les avez donnés. Hein. C'était pas le garde. Hein. C'était le garde. C'est lui ou lui? C'était celui-là. Lui il est bon lui. C'est lui qui est nul. Voilà, lui c'est une daube. Lui il est bon lui. Lui c'est mon pote lui. Très bien. Donc effectivement, le garde s'élance en hurlant pour le Renkila, vous allez mourir, espèce de saloperie. Et à cet instant, eh bien, il repart dans un gag cartoon puisqu'il se prend le pied dans un os. Il s'étale de tout son long sur le sol. Vous entendez Volker et Okino un grand oh. Et effectivement, donc, il s'étale par terre, il lâche son arme qui va le dingue à quelques mètres, et immédiatement, oh, c'est ça. Et immédiatement, donc, le Kanshi saute sur lui et enfonce ses mandibules profondément dans son dos. Le bouclier, wesh. Prends-lui l'arme. Moment de faiblesse. Loot. Non, moment de faiblesse. C'est-à-dire que le Kanshi, il est occupé. Le Kanshi. Très bien. Donc Okino, c'est à toi d'agir pendant ce temps-là. C'est à moi. Pendant que vous voyez un autre Kanshi qui commence à arriver. Bon, je vais pas lancer un sort, je suis pas fou à ce point, je vais pas lancer un sort en plein dans le sol, ça va servir à rien. Tu devrais demander à Volker de prendre le bouclier, puisque lui, il a qu'un bâton. Mais non, mais là, s'il s'approche, c'est la merde. Du coup, je prends la dague et je rush sur lui en profitant du moment d'inattention qu'il a, vu qu'il est occupé. Okay. Et le garde est déjà plus près et c'est à lui d'agir, hein, logiquement. Non, mais le garde agira après. Soumis. Donc, il est un petit peu, comment dire, un petit peu sonné par ce qui vient de se passer. Très bien, donc fais-moi, hop, un test d'adresse avec un bonus de 10. J'aurais qu'il se loupe, je sais pas pourquoi j'aurais qu'il se loupe. Oh, 57. Tu as raté. Très bien, donc tu tentes d'asséner un coup au Kanshi. J'ai raté de 2 points. Mais ton couteau dérape sur sa carapace frontale très dure. J'ai déjà fait ça moi aussi. Et tu ne parviens pas à l'entailler. Pendant ça, les autres créatures commencent à débouler et le garde restant affolé tente d'asséner un coup au Kanshi. Oh, purée, c'est beau. Très bien. Et donc, c'est papa et fiston là. D'un geste vengeur, effectivement, il assène un coup d'épée en plein dans la face de la créature qui est renvoyée en arrière et qui agite ses pattes de manière absolument désordonnée. Par contre, on devrait peut-être dire genre un de vous trois devrait dire. Pourtant, il n'est pas vraiment blessé. Venez, on a trouvé la reine, un truc comme ça. Oh merde, il fait un 10 mais il rate son attaque. En gros, il a tapé juste dans la carapace. Et donc Volker pendant ce temps-là arrive en criant « Vous inquiétez pas, je suis là !» Et il tente d'asséner un coup de bâton à cette saleté. Il tape le garde. Il réussit pas. Si. 47. Laissez-moi vérifier. Fanax, il doit avoir tellement de shift ouvert. Non, il a du tam-tam sur sa carapace, le mec. Il a que 40 en force. Effectivement. Très bien, donc il assène un coup au Kanshi, mais il n'arrive pas à faire plus que l'agacer. Et pour le coup, c'est moi qui ai les meilleurs dés. On a l'air de deux attardés, en fait. J'ai fait qu'un seul échec depuis tout le début d'épisode. Je suis content. Ouais, pendant ce temps-là, vous deux, vous avez en haut, vous avez clairement perçu les bruits du combat. Et clairement perçu effectivement que quelque chose ne commençait à mal se passer pour un des gardes. Et là, je sais pas, Volker par exemple, il pourrait, au lieu de faire du tam tam sur le mec, il aurait pu aller prévenir les autres gardes. Parce qu'il faut la calmer quand même, parce qu'on peut pas l'affronter à 5. Ouais, hein, tu sais, ils sont un peu loin, l'entrée elle est un peu loin, j'ai envie de dire. Bah, ça va, c'est un nain, il est rapide. Non, justement. Bah j'ai qu'à y aller, je m'en fous. Hein. Mais non, parce que je vais pas laisser tu tout pas. Seul, il est... Mais un de vous, asseyez-vous, vous pouvez. Mais non, mais... Flemmard. On peut se débrouiller, et en plus on amènera de garde, plus on aura de mal à combattre. Hein. Spiritus. À force de regarder le truc, je me dis peut-être que... Ça
Ce chemin est lié à celui-là. Donc, mais oui, c'est ce que j'ai dit en fait au début. Donc, non, ça c'est une impasse et ça c'est la suite. On est tourné arrivé par là. Tu continues par là, je vais te voir par là si je veux bien quelque chose. Voilà. Avance par contre. Je sais que t'es coincé parce que t'es trop grand, mais quand même. Spirit qui a du mal à passer, il devrait limite faire un test, quoi. Salut à tous, dis pas des c'est idées Mister comme ça, Fan. Ça fait pas. Frère. Très bien. J'y vais bien. Oui, je suis pas ton frère, à ce que je sache. Très bien, donc vous commencez à pénétrer dans le tunnel.